Yo tout le monde, c'est Fintech. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Mais comme d'habitude, abonne-toi avec la petite cloche de notification et mets un pouce bleu sur la vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas de tous entrer le code créateur FintechBE dans la boutique Fortnite. Ça fait juste super plaisir. Et bien sûr, bonne vidéo. Mais juste avant de commencer la vidéo, si toi t'aimerais remporter le pass de combat saison 6 ou ça des émois, des skins gratuitement, bah pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, si t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification, une fois que t'as fait ça, tu poses ton petit pouce bleu et bien sûr il va falloir mettre mon code créateur FintechBE dans la boutique Fortnite. Sur tu commentes ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si t'as gagné ou pas un petit cadeau sur la boutique Fortnite. C'était Fintech, je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est Fintech, j'espère que vous allez bien. Bien écouté, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale pour une toute nouvelle vidéo. Mais comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de tous liker cette vidéo. Et comme d'habitude, les affiliateurs dans la boutique d'objets et de faire la classe soutenant un créateur, de tous entrer le code créateur FintechBE dans la boutique Fortnite, ça fait juste super plaisir. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on va simplement encore se retrouver par un tout nouveau glitch sur Fortnite Battle Royale en saison 6 pour avancer de l'XP en illimité et pour vite avancer sur le poste de combat. À simplement première étape, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre sur votre salon et là vous allez sélectionner le mode créatif. Une fois le mode créatif sélectionné, là vous avez juste à lancer une partie en mode créatif et d'attendre le chargement. Là vous devez créer une nouvelle mode partie et attendre le chargement. Arrivé sur le mode créatif, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre à l'appareil et là vous allez faire une nouvelle île. C'est vraiment super simple, nouvelle île, et là vous allez sélectionner n'importe laquelle. Voilà, île tempérée, sélectionnée. Et là je vais attendre le chargement de ma nouvelle île. Une fois l'île créée, je me rends dessus. Une fois arrivé sur l'île, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre téléphone. Une fois votre téléphone pris, là vous allez faire exactement les mêmes constructions que moi. Une fois que vous aurez fini, vous allez vous rendre dans votre inventaire et dans mode créatif, et là vous allez sélectionner dans objet à usage unique ou soit dans appareil. Du coup c'est bien dans appareil et là vous allez prendre exactement la même chose que moi. Une fois des accélérateurs pris, vous avez juste à les poser comme moi dans la vidéo. Comme vous pouvez le voir là, ça fonctionne pas bien, alors du coup ce que je dois faire, je dois poser un escalier qui va de ce sens là. Hop là, je le modifie, je mets vers ma direction. Et simplement maintenant je devrais juste tester. Ici ce que vous devez faire, vous devez encore vous rendre dans votre inventaire et vous devez poser un rebondisseur. Voilà, rebondisseur posé, je vais faire exactement la même chose là. Je crois que je vais poser, ouais je pense ça c'est bon. Hop là. Et du coup simplement je vais juste faire une petite ouverture ici. Et simplement là je vais tester. Normalement ça devrait marcher. Normalement je dois re-atterrir dans le rebondisseur. Et là je le reteste. Je me rends encore une fois dans mon inventaire. Et là je prends des accélérateurs. Une fois les accélérateurs pris, je vais juste aller poser. Et normalement maintenant ça devrait bien marcher. Ce que je vais faire, je vais poser un escalier ici. Là je le mets vers ma direction et normalement ça devrait marcher. On va tester ça.
Ah, du coup ici il manque juste un petit accélérateur, ouais, comme ça. Du coup normalement c'est bon, on va tester ça ensemble. Ah, du coup en fait j'ai trouvé, en fait c'est ce qui dérange. On va juste détruire ça et là en même temps ça devrait bien marcher. On va tester ça. Ah non, merde. Du coup j'ai trouvé c'est quoi la faille. Du coup ça marche pas vraiment super bien, je pense que je l'ai mal fait. Mais vous avez vraiment compris le but du glitch. Du coup là je le reteste. Du coup je pense que je dois poser déjà un escalier ici. Hop là. Non mais maintenant ça devrait marcher. Du coup maintenant ça marche vraiment super bien. Du coup en fait voilà, comme je vous ai expliqué juste avant, c'est juste de rester à FK et de faire ça en illimité. Du coup ça dépend fortement l'heure que vous allez rester. Exemple, vous allez partir dormir, vous allez manger, vous allez laisser votre console à FK durant quelques heures. Et là vous allez voir que vous allez gagner énormément d'XP, c'est vraiment super simple. C'est de faire quoi, c'est juste de lancer un jeu. Du coup vous allez vous rendre dans mon île. Là vous allez faire mon île et là vous avez juste à faire. Du coup c'est où l'option? Outils, sauvegarder, sauvegarde, et là je fais juste lancer le jeu, lancement de la partie, début du jeu dans 1, 2, 3, du coup ce que je fais maintenant juste à me rendre à tout ce que je viens de faire, une fois rendu là, je retente ce que je vous ai montré juste avant, je saute ici, et là juste à rester AFK pour gagner vraiment masse d'XP, c'est vraiment super simple. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du glitch d'XP dans l'espace commentaire, en espérant vraiment que cette petite vidéo, cette troisième vidéo en saison 6 vous aura plu. Je vous invite à rendre tous vous abonner à la chaîne YouTube et de tous liker cette vidéo. Comme d'habitude, code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite, ça fait juste super plaisir. C'était FinTech, allez ciao tout le monde.